le club Bruce Lee Shaolin Tao a organisé pour ses adhérents une séance de découverte de la sophrologie samedi 7 juin dans la salle annexe du complexe sportif. Cette séance était animée par Marie-Claude Naille, sophrologue à l'association Sophro Zen Attitude, qui nous explique ce qu'est et en quoi consiste la sophrologie. La sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement douce. Elle vise à pouvoir harmoniser le corps et l'esprit et à faire ressortir le bien-être, pouvoir accompagner les gens dans différents domaines, aussi bien chez les enfants et les adolescents, au niveau de la santé pour les personnes qui sont en burn-out, donc en dépression, pouvoir qu'elles puissent pouvoir gérer leur stress et leurs émotions dans la vie de tous les jours. Elle accompagne également au niveau des sportifs, soit sportifs de haut niveau ou sportifs qui doivent passer des concours, des examens, des épreuves sportives. Elle accompagne également au niveau de la maternité. On peut accompagner une future jeune maman au niveau de son accouchement. Il y a différents degrés au niveau de la sophrologie. Je suis issue d'une école de la faculté de médecine de Lille. Donc c'est plus une sophrologie plurielle. On peut travailler sur l'énergétique, les chakras, différentes choses. Premier degré, c'est l'intégration au niveau du corps. Relaxation dynamique du premier degré, où on va faire quelques mouvements au niveau du corps, aussi bien de la tête, des épaules, des bras, du tronc, des jambes. Deuxième degré, où on va plus passer en visualisation, donc en faisant imaginer à la personne qu'elle se voit, qu'elle fait le mouvement et qu'elle fait le mouvement. Deuxième degré, où on va également travailler sur l'essence, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, on va essayer de faire développer certaines choses. Troisième degré, on va passer en phase de méditation. Et quatrième degré, on va rassembler le tout. Voilà pour les quatre phases, les quatre degrés de relaxation dynamique que je pratique.